Aujourd'hui, on va tester un jeu de sport. Et pour ça, on a fait appel à un expert en préparation physique. Bah alors, vous êtes encore assis là? Bah c'est normal qu'on est assis, on joue aux jeux vidéo. Et c'est pour tester un jeu de sport que je vous ai convoqué à la base. Pas pour faire du sport. Ah non mais si je suis là, c'est parce que c'est le commandant qui m'envoie, hein. Donc pour commencer, on va s'échauffer avec de l'aérobic. Ah non putain, pas ça! Moi j'ai un certificat médical de dispense parce que... Allez, on inspire bien fort! C'est parti! Allez, jambe droite! Allez! Jambe gauche! Le bras droit maintenant! Allez! Allez! Du nerf! Bras gauche! Allez! Hop! C'est parti pour Track and Field 2, jeu de sport avec notre expert, on y va. C'est parti. Voilà. Donc on va commencer par le training. Ouais, ouais. Training. Bon alors, saut de haie en premier. Ouais, saut de haie, puis on va faire dans l'ordre après. Donc là, hop. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, A pour courir, quand il y a une haie, tu fais sur B pour sauter. Le mec il connaît vraiment le jeu, c'est la première fois qu'on a un expert qui connaît vraiment le jeu en fait. Un expert expert. Donc là il va dire... Ah c'est beau. Pourquoi c'est des gonzesses alors que vous êtes des mecs? Parce que c'est plus ouais, efficace. Le mec il a fait un super départ là. Ah c'est wow. Parce que je suis mort, je suis plus rapide. Eh ouais bah ouais, c'est pas la même morphologie hein. C'est sûr que tu fais pas courir une autruche avec une tortue, hein. Allez! C'est qui est en premier, là? C'est qui? C'est moi, je crois. Ah ouais? T'arrives à battre l'expert, alors, ça c'est bien, ça. Parce que j'ai une black. Enfin, black, je dirais plus orange, hein, là, à ce stade. Ouais! Bravo! Bon, je vais essayer, hein. Ouais, l'expert, il est pas très expert. Attends, ouais. On est peut-être pas sur sa discipline préférée. Là, mais... Après, il va nous donner les mauvaises touches. Pourquoi il y a une machine à écrire? Là, il te dit les résultats, en fait. T'inscris... On peut zapper, ça. Ah, ils mettent le temps et tout. Temps, voilà. Moi, j'ai fait en 2,47, toi un petit peu moins. Allez, exercice 1, franchissement d'obstacle. Mais on va jamais y arriver, putain. C'est un piège. 7 minutes. Je connais un Kujak qui l'a fait en 20 secondes. Vous avez même pas réussi à le finir. Barre horizontale, qu'est-ce que c'est que ça? Là en gros, tu fais n'importe quoi. Là c'est moi, normalement score premier player, ouais. Je suis content de pouvoir faire les points. C'est bien comment il monte jusqu'à la barre. Tu t'amuses parce que je connais pas du tout, j'ai jamais réussi à... Ouais, c'est un expert, mais il connaît pas du tout. Là, sur cette partie-là, tu sais jamais ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Oh, regarde, il a lâché le bras. Mais pourquoi dans le public, ils sont tous habillés exactement pareil et qu'il y a trois couleurs différentes? Bah, c'est vrai qu'avec les lunettes jaunes, tu vois pas les couleurs. Putain, ils font peur, hein, les juges, hein, quand même. Tu regardes la tête en bas, celui de gauche, j'aimerais pas lui parler. Hein. On dirait que sa moustache se confond avec ses yeux, là, c'est... Mais c'est des mouvements naturels, ça? Je sais pas. Bah, on a surtout l'impression que ses bras sont aussi longs que ses jambes, mais c'est pas grave. Il y a quand même un effort.
J'ai monté un peu le volume parce que j'entends pas exactement à quoi ressemble la musique. Et je crois à la fin, voilà, il y a un saut. Et il faut rester normalement. Wow. Ça va être difficile à battre. Voilà. Ah, mais il est tombé sur le cul. Il est tombé, là. Donc là, il va avoir une note de merde. D'accord. On va essayer de faire mieux que ça alors. Impressionnant. Si, pour se qualifier, il faut faire au moins 5. Wow. T'as eu 1.1 sur. D'accord. Ouais. Mais c'est n'importe quoi, ça! Donc là, en gros, pareil, tu cours, et avant la ligne, il faut appuyer sur B, et en même temps, il faut gérer l'angle du saut. Ah, les sprites sont bien faits, quand même, et ils sont vachement grands. Ah, il faut que je me rappelle. Alors déjà, je cours. Tu cours. Pour de la NES, c'est assez impressionnant. Je me demande s'ils n'ont pas utilisé le background. Ouais, il faut gérer l'angle, en fait. Waouh, mais il va jamais aller jusqu'au... Il a même pas atteint le sable. 12 mètres. On sait pas si c'est la foudre qui tombe, qui essaye de tuer le mec, ou si c'est le public qui applaudit. Ah oui, j'ai 3 essais. Vas-y, pleuvez. Ouais, parce que Power, t'es loin d'être à fond, là. Ah, mais c'est dur. Ouh, t'as mordu, là, non? Pas grave, saut. Ah, le deuxième saut est dégueulasse. Vache. Ah, 8 oh, mètres. On s'approche du sable. Il est qualifié à 12 mètres, hein, il te reste encore. Ouais, t'en es à 0 mètres. Vache, faut les atteindre, les... Allez, la barre. Ouh, ralenti. Oh, ah, il a le sable. C'est la première fois qu'on voit le sable. 11m22. Alors là, c'est impressionnant. Ah, donc ouais, le but, c'est de jouer comme ça. Joueurs, non, non, ah, non. Tricheur. Ouais, voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, okay. Shoot le pigeon. Ouais, non, mais... T'as jamais regardé Fort Boyard? Voilà. Donc là, quand c'est lourd un fusil, hein, il faut. Alors, c'est toi qui décides de l'envoyer. Donc, avec le normalement le B. Non, alors, c'est moi qui décide. Ah oui. Et là, tu. Tu rates. Ah, tu rates parce que t'es nul. Il faut que je me remette là, ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Ouais, puis pourtant, t'es dans les meilleures conditions pour y arriver là, t'as des conditions sportives. Ah, ils ont même fait un scrolling parallaxe. Des décors qui défilent comme ça. J'ai mal au bras, c'est un truc de fou quoi. Ah, quel enfoiré, en fait il est meilleur avec les poids que sans. Mais... En fait c'est ça me motive. Allez, bras tendus, on repasse. On met un poids sur la tête aussi. Ouais, 10 sur 10. Bon alors là, on a vraiment un expert hein, cette fois-là. Je suis mort là. Et vous, vous savez viser, non? Ouais, seulement quand j'ai 2 grammes dans le sang. À mon signal! Et là, j'ai pas d'alcool sur moi. Bon, c'est trop dur, on charge. Yeah. Bon, vous avez vidé vos chargeurs sans toucher la cible. J'ai quand même connu un aveugle qui a fait mieux. Et vous avez même blessé l'instructeur. Alors, tes impressions, notre expert. Oh là, c'est sexy, là. Ouais. C'est rose. Ouais. Allez. Tu peux, ouais, c'est une musique un peu d'aérobic, là. Ah, t'as choisi le handstand. Ah non, tu choisis de skill. La réflexion est dégueulasse. Alors, ça, encore. Qu'est-ce que t'as pensé de celui-là? Ah bah il était bien quand même. C'est encore moi là? Ouais. Pourquoi? Bah parce que je trouve que c'est divertissant, c'est amusant quoi. Bon après c'est vrai que les musiques c'est un petit peu moyen mais
La variété des sports, c'est sympa, ça reflète bien les JO, quoi. Non, c'est le souci, c'est justement les épreuves de notes comme ça, c'est du aléatoire, quoi. Déjà, tu t'appuies sur n'importe quoi comme touche et... Ah, c'est peut-être le but du jeu aussi, ouais. Ce qui est peut-être une bonne combinaison de touches à faire. Bah, faut la trouver, quoi. Ouais, non, franchement, il est pas mal fait, ce jeu-là. Les sprites sont assez grands, les graphismes sont acceptables. Le son, il tombe tellement que je pense qu'elle vomit, la meuf. Comme ça, j'ai fait 5 pour un 8. Ouais, c'est vomi, ça les a impressionnés. Ils n'ont jamais vu un athlète vomir en plein saut comme ça. Vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre et compagnie, quoi. Pourquoi il clignote, le mec? Parce qu'il clignote, c'est un boss. Ouais, c'est bizarre, hein. T'as déjà vu un athlète clignoter comme ça? Allez, go! Oh, c'est mou ça, on dirait des cadavres. Garde à vous. Bon, on va faire un petit compte rendu. Ah, moi je pense qu'on a bien réussi. Hein. Oh ouais. On va avoir une bonne note. Tout déchiré. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, d'après mes tableaux d'évaluation, ouais, enfin vous êtes vraiment des nuls à chier. Hein. Un truc comme ça, non? Oh, c'est le truc. Bon, on va finir là-dessus. Oh, putain.